Bonjour à tous, bienvenue dans l'Etihad Stadium. Et dans ce match, nous retrouvons Manchester City face à Leicester. Un match qui s'annonce plutôt serré, on peut dire ça, Pierre. Oui, sur le papier, ça sent le nul à plein nez. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. On va faire un pronostic avec ça, toi. On s'attend à une rencontre assez fermée, pour ne pas dire ennuyante, hein, sur le papier en tout cas. Bah oui, en général, quand la meilleure défense accueille la plus mauvaise attaque, ça respire pas l'enthousiasme. Hein. Manchester City, équipe en confiance, qui lors de son dernier match s'était imposée à l'extérieur face à Manchester United. Ah, l'équipe avait gagné 2-0 et elle a assez de talent pour s'imposer encore aujourd'hui. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Ils attendent une ouverture hein, dans la défense. Le roi Sané. Du côté de Leicester, voici les joueurs qui vont débuter la rencontre. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. La passe de Diego Costa interceptée. Douglas Luiz. Le roi Sané. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Daniele Rugani. Manu Trigueros. Ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui. De Bruyne. On écarte le jeu. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Le gardien est sorti très vite. Oui, il n'a pas laissé le temps à l'attaquant de s'organiser. Et ce ballon qui est perdu. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Diego Costa. Ouais, la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. Javier Aquino. Ah, la passe en profondeur, attention. Hors-jeu. Ah, dommage, il partait au but. Bernardo Silva. Ils vont pouvoir jouer la touche. Gabriel. Martin Hinteregger. Allez, c'est donné par-dessus. Kevin De Bruyne. Douglas Luiz. De Bruyne. Manu Trigueros. Un vilain passe directement à l'adversaire. Oh, c'est bien donné en profondeur. Diego Costa. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ah, le sauveur était là. Oui, là vraiment, il sauve son équipe. Il est temps. Il choisit la frappe et le ballon bloqué par le gardien. De Bruyne. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Marvelous Nakamba. Ballon récupéré là par De Bruyne. Diego Costa. Oh, le gardien qui s'en sort. Oh, c'était pas évident. Il était bien sur ses appuis. Franchement, on peut le féliciter. Manu Trigueros. De Bruyne. Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il la mettait. Et Fred Didi. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Attention, ce ballon piqué. Sans problème. Sans problème aucun pour le gardien. Douglas Luiz. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre.
Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Allez, c'est reparti, les joueurs de Leicester qui engagent. Javier Aquino. Daniele Rugani. Kevin De Bruyne. Encore un bon ballon. Bernardo Silva. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Bernardo Silva. Et la voie qui est dégagée là pour Manchester City. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et on a dégagé pour écarter le danger. Théo Hernandez, Douglas Luiz, Manu Trigueros. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Nous allons suivre une nouvelle journée de Premier League avec cette rencontre. Leicester City accueillera Newcastle à domicile. Des équipes de Premier League que nous aurons le plaisir de suivre à l'occasion de la prochaine journée. Et le gardien qui est sur ce ballon. La passe de Diego Costa interceptée. Douglas Luiz. Torres. Le dégagement pour éloigner le danger. Diego Costa qui voit sa passe interceptée. Javier Aquino. Allez, joueurs qui obtiennent ce qu'il veut. Ouais, la faute était évidente et l'arbitre siffle coup franc. Ça s'agite hein, sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Allez, on va jouer un long ballon. Théo Hernandez. Équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. David Silva. Théo Hernandez. Douglas Luiz. Sané. Et ça sort en touche. Un changement semble-t-il demandé par Pep Guardiola. Bernardo Silva qui cède sa place à Raheem Sterling, qu'on retrouve avec plaisir. Un ailier droit vraiment redoutable. Eliakim Mangala. Théo Hernandez. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Manu Trigueros. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Torres. Ouais, corner. Hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Donc on a décidé d'un changement du côté de Leicester. Avec l'entrée en jeu de Sami Khedira. Ce ne sont pas les qualités qui manquent chez lui, c'est plutôt la robustesse de son corps. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Il prend sa chance. Man City qui va bénéficier du corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Allez, Citizens qui peut faire la décision maintenant. Manu Trigueros. Entrée pour un coéquipier. Il a préféré ne pas prendre le moindre risque. Un changement semble-t-il demandé par Pep Guardiola. Entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix. Attention à la frappe. Toujours 0-0 dans ce match qui touche bientôt à sa fin. C'est quoi la suite du programme tiens, pour cette équipe? Leicester va affronter Newcastle lors du prochain match. Les joueurs n'ont pas laissé tomber et finalement, ils tiennent bien ce score, ils n'ont pas à rougir. La dernière minute avant le temps additionnel.
le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Allez, ils attaquent, c'est le match hein, qui se joue. Il choisit la frappe. Ouais, pas de souci. Voilà, le score qui n'évoluera plus. Et les deux équipes qui vont se contenter de ce match nul. Deux équipes qui vont donc repartir avec un petit peu. On every side, bye.